Comment ça va YouTube? Exceptionnellement cette semaine, je ne vais pas traiter 3 vidéos, hein, mais plutôt une première, puis un gros thème avec plusieurs vidéos à l'intérieur. C'est parti! Donc, plein de personnes pensent que le basket est un sport de mauviette, parce que dès qu'on nous touche la main, il y a faute. Eh bien non, c'est un sport tout plein de violence. La preuve est la preuve. Voilà pourquoi je ne dunk jamais. Hein. Voilà pourquoi je ferais ça, c'est trop dangereux. Je peux dunker. Ah mais non, attends, je suis pas payé moi aussi à un moment. Donc ce pauvre joueur universitaire s'appelle Marcus Moore et en voulant simplement dunker en contre-attaque, il s'est fait cogner la tête contre la planche par son défenseur. Oh boy, oh boy. Oh my goodness gracious me. Oh my goodness gracious me. Alors je connaissais les expressions oh my god, oh my lord, mais le oh my goodness gracious me du commentateur juste pour se faire remarquer. Bon, à un moment, ça va, hein, genre... Oh, les mains, bouge pas! Oh, sainte mère de Dieu, père de Jésus-Christ, notre sauveur, exemple de moi. Il est quoi, ce mec, ou quoi? Et ce que je comprends pas, c'est la réaction du banc de l'équipe adverse, regarde. Oh! Il y en a qu'un seul qui réagit, les autres s'en foutent, il y en a même un qui se met à boire. Bah quoi, je suis sponsorisé, moi, il y a les caméras, c'est le moment. Vu comment personne n'est surpris, quelque chose me dit que c'est pas la première fois que ce défenseur casse un joueur. Et le mec qui réagit là, ça doit être un nouveau. Oh les gars, vous avez vu, c'est chaud! Quoi, ça? Non, t'inquiète, c'est juste Johnson. À chaque fois qu'il fait le mec à jouer sans lunettes, il confond les têtes et les balles. N'empêche, sur la même action, Marcus a accompli 2 prouesses. Non seulement il a réussi le dunk, mais en plus, il commence son saut là et il réatterrit là. Faudrait mesurer, mais c'est peut-être un record du monde de saut en longueur. C'est là que tu vois bien la supériorité physique des Renois américains. Regarde Marcus, il fait 1m87, ce qui est petit pour un basketteur, mais est-ce que t'as vu à quelle hauteur il monte? À côté, nous on a Tony Parker, 1m88, qui certes joue 1 milliard de fois mieux que Marcus, mais... Et l'interception de Tipeee, allez un petit dunk! Ah! Ça va, je troll, hein. C'est au cas où Tony passerait par là. Hein, Tony? On se refait un touquet quand tu veux. Je te rebats quand tu veux. Du coup, comme Marcus a été évacué du match par précaution et qu'en plus son équipe a perdu au final, je suis allé checker son Twitter pour voir s'il allait bien. Le soir même, il avait mal à la tête. Hein, mais je vous rassure, très vite, il allait mieux. Et une semaine plus tard... Je crois qu'il est guéri, ouais. Donc, ces temps-ci, on entend énormément parler de Donald Trump. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un multimillionnaire très provocateur qui souhaite se présenter à la présidentielle américaine. J'ai mon avis à son propos et j'aimerais qu'on en parle juste après ça. 505 billion dollars. We're gonna lose that. 505 billion. And by the way, I don't like this mic. Whoever the hell bought this mic system, don't be the son of a bitch to put it in, I'll tell you. These people. No, this mic is terrible. Stupid mic keeps popping. Do you hear that, George? Don't pay him. Don't pay him. You know, I believe in paying. But when somebody does a bad job, like this stupid Mike, you shouldn't pay the bastard. Terrible. Ok, donc déjà, avant même de rentrer dans le détail de sa politique, je vote pas pour quelqu'un qui traite publiquement de fils de pute, un citoyen qui a juste essayé de faire honnêtement son travail. Ensuite, son argument, c'est quand quelqu'un ne fait pas bien son taf, on ne doit pas le payer. C'est bien, mec, hein, je pense comme toi. D'ailleurs, je trouve même que t'es trop gentil. L'ingénieur son là, qui a osé t'installer un micro défectueux, il devrait non seulement ne pas être payé, il devrait aussi être viré. Pour avoir quand même laissé ton micro allumé. Si on devait vraiment ne plus payer ceux qui bossent mal, la plupart des gouvernements au monde seraient bénévoles. Tu serais bénévole. I guarantee I'm not paying for this mic. Oh merde, pourquoi pile au moment où je critique le micro, il déconne plus? Serait-ce parce que je me suis éloigné un peu et que je ne crache plus littéralement dessus? Pour te donner une leçon de décence avec option swag, voici Obama quand il a un problème de micro. We cannot sustain... Oops. Oh, goodness. That's all right. All of you know who I am. Maintenant, voici Trump. By the way, I don't like this mic, the son of a bitch. The stupid mic keeps popping. Do you hear that, George? Just look up this. Like, boom, boom. Par contre, tu as fait un effort, Donald, hein, c'est vrai, faut l'avouer. C'est une de tes rares interventions où tu ne dis rien, ni sur les musulmans, ni sur les mexicains, ni sur... Ah bah tiens, tout ce qui est pas blanc, en fait. Parce que oui, Donald Trump, c'est aussi ça. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Alors certains d'entre vous vont me reprocher, Kevin c'est pas bien, t'as isolé un extrait, il a sans doute dit ça dans un contexte,
Déjà non. Et ensuite, le seul contexte dans lequel c'est acceptable de dire je veux fermer les frontières de mon pays à tous les musulmans, ce serait si c'était dans un sketch sur un candidat à la présidentielle imaginaire qui fait exprès de dire des conneries juste pour faire du buzz. Si tu écoutes la suite de son discours, chaque musulman représente une potentielle menace. Tu vois, si cette tasse c'était l'amalgame et cette balle Donald Trump il plonge dans l'amalgame. Oui. C'est vrai, on peut en parler. Le pire, c'est qu'il a vraiment beaucoup de supporters américains. Hein, ceux qu'il soutiennent disent aimer son franc-parler, il recule devant rien, et dit tout haut ce que eux pensent tout bas. Sauf qu'il y a des choses qu'un président ne peut pas dire, parce que c'est le représentant de l'image de ton pays à l'étranger. Remarque, pour une grosse blague sur 4 ans, son franc-parler pourrait me faire marrer. Alors pour ce putain de gouvernement de merde, d'abrutis que vous êtes là-bas, vous avez tous voté pour moi, bande de cons. J'ai prévu de mettre tous mes potes en ministre, afin de tous bien vous niquer et me faire de la thune sur votre gueule. Comme ça, je vais me branler sur votre pognon là avec un max de pute. Oh oh oh, excellent, hein, au moins il dit la vérité. Oh oh oh. On va finir sur une énième de ces conneries très intéressantes. On n'est plus à ça près de toute façon. On va parler d'un tweet qu'il a écrit lui-même. C'est lui, hein, pas son community manager, pas un journaliste qui a mal retranscrit. C'est lui qui a pris son portable tout seul comme un grand, qui s'est arrangé pour que ça rentre en un tweet de 140 caractères. Bref, voilà ce qu'il a dit. Le concept, genre ça n'existe pas, de réchauffement climatique a été inventé par et pour les Chinois afin de rendre l'industrie américaine moins compétitive. Alors, je suis désolé Donald, hein, mais j'ai appelé là-bas. J'ai quelques contacts en interne, et cette fois-ci, wallah, c'est pas nous. Promis, c'est pas nous. Pardon, allez, va te faire enculer. Et la question de la semaine nous vient de Abby Diop. Que penses-tu de Donald Trump? Allez, salut Abby. Merci de ta participation. À la prochaine. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager et rejoins-moi sur Facebook. N'oublie pas de me poser une question dans les commentaires, j'y répondrai la semaine prochaine. Et je te dis à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Fuck Trump, fuck it, Trump, wanna speak on my people. Everything you stand for, see through, make them feeling illegal. Deceit.